comes the. Here comes the. Y'all don't really want it like a fool. Here comes the. Here comes the. Here comes the. Y'all don't really want it like a fool. Here comes the. Here comes the. Here comes the. Boy, does he smell it. You're never getting the double L. I said so. I keep it buzz up in my heart. Salut à tous et à toutes, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur WWE 2K15. Une vidéo assez particulière, déjà je vais lancer un match tout de suite. Donc c'est un fameux six-man tag team match entre la team Cena, Daniel Bryan, Dolph Ziggler face à la team Batista, Triple H et Randy Orton que j'ai créé, donc une équipe spéciale, donc la team Evolution ou The Authority, c'est comme vous voulez. Tu m'as demandé aussi de faire ce match à WrestleMania 30, donc c'est pas un match des abonnés, comme vous avez pu le remarquer, c'est pas marqué dans le titre. Dans le titre, j'essaierai de faire un truc du genre, est-ce que le cash c'est faux et scénarisé, parce que j'ai eu un commentaire de Amir Ben Salem, donc ça c'est ton pseudo YouTube. Donc tu m'avais dit dans ma vidéo résumons sur Survivor Series que t'avais trouvé Super Review super, et que à un moment donné j'insinue que le catch c'est faux et scénarisé. Donc tu n'es pas d'accord, c'est ton point de vue, hein. Je vais essayer d'être neutre, hein. Et je vais dire pourquoi je trouve que c'est faux et scénarisé, hein. Vous comprendrez. Et tu m'as demandé de m'expliquer sur ce sujet. Et ben mon gars, je vais m'expliquer sur pourquoi je dis que le catch est faux et scénarisé. Et ben sur ton match. Comme ça, ça te fera une petite dédicace. Donc, vous savez, j'espère que vous le savez, que je suis fan de catch depuis fin 2008, début 2009, et je n'ai jamais lâché le catch. Donc ça fait quand même pas mal d'années. Donc. Ça fait quand même 6 ans que je suis le catch, et ça fait aussi, donc ça fait par contre 5 ans que je possède des jeux WWE. Donc, étant donné que je peux me considérer comme un papy du catch. Pas un papy, parce que papy du catch, c'est vraiment quelqu'un qui suit le catch depuis à peu près une quinzaine d'années. Je suis le catch depuis 6 ans, donc peut-être pour vous, c'est rien. Quand je me regarde, et vous me dites, putain, ça fait 6 ans que je regarde le catch et je suis pas lassé. Bon, c'est sûr qu'il y a des périodes où vous êtes un peu lassé par ce qui se passe, ça arrive. Il y en a qui lâchent, il y en a qui reprennent, il y en a qui lâchent et qui reprennent pas. Après, ceux qui me disent « Ouais, je suis fan de catch et tout, je veux bien savoir que t'es fan de catch, mais si t'as lâché et que tu reprends plus, que tu regardes plus aucun show de catch, que tu regardes juste les Eagle-like, t'es pas fan de catch. T'es juste comme ça, t'aimes bien le catch, voilà, t'aimes bien le catch. T'es pas fan. » Donc, revenons à notre sujet. Hein. Pourquoi je trouve le catch faux et scénarisé ? Je vais avoir du temps, puisque le match va être assez long, je pense. Au tout début, je savais même pas que le catch c'était du cinéma. Hein. Moi je me suis dit ouais, c'est des mecs qui se fight et tout. Et après j'ai appris que le catch c'était du trucage. Dans ma tête, je me suis dit non, c'est faux, c'est pas possible, c'est qu'un fake, c'est pas truqué, les mecs ils se tapent vraiment dessus. Aussi à cette période, j'étais un peu con, hein, parce que il y avait quand même des messages sur NT1. À l'époque, ça passait encore sur NT1. À 20h. À l'époque, ça passait à 20h30. Maintenant, ça passe plus sur NT1 du tout. Hein. Ça marquait « Ne refaites pas les mouvements à l'école ou chez vous. » Et moi, je me disais « On battait les couilles de ces pubs et tout. » Mais je croyais qu'ils se battaient vraiment pour le vrai. Et j'étais con parce que ce message te disait juste comme quoi c'est des prises faites par des professionnels. Qu'ils ont mis pas mal d'années à apprendre à les utiliser et qu'il faut juste pas les refaire. Donc quand ils utilisent ces prises, c'est qu'ils ont sécurisé pour pas blesser l'adversaire. Son adversaire. C'est tout. Alors que là, vous allez pouvoir apercevoir l'entrée de l'équipe que je vais incarner. Donc revenons au petit sujet. Donc c'est après que j'ai appris que le catch était faux et que
Après, j'ai pas dit que le calque, étant donné que c'était faux, c'était de la merde. Hein. J'ai jamais dit ça. C'est que depuis, aussi peut-être que toi, Amir, tu suis le catch depuis peu. Donc peut-être que tu te dis que c'est pas faux et pas scénarisé. Faut l'avouer, étant de, je te dis la vérité là, je te dis la pure vérité. J'espère que vous allez dire aussi votre avis dans les commentaires. Dites-moi si vous trouvez le catch faux. Après, chacun son avis. Personnellement, et c'est la vraie, c'est la vérité, le catch c'est du cinéma. Qu'est-ce que je parlais par cinéma? Les coups, ils se les donnent pas vraiment. Les coups de poing, les coups de pied, on croit qu'ils se donnent des coups de poing, mais en fait, ils se donnent un peu comme des comme des gifles. Voilà, ils se donnent un peu des gifles. Après, il y a des stipulations de match où là, j'avoue que c'est pas truqué, qui subissent les dégâts. Par exemple, si des matchs Hell in the Cell ou des matchs Elimination Chamber, quand ils tombent sur la fameuse protection en fer et tout, j'avoue, c'est pas truqué parce que le corps subit les dégâts. C'est comme les coups de chaise, le cassage de table et les échelles. Quand c'est utilisé des armes, c'est de la vraie parce que voilà, c'est vraiment utilisé. Au début, ils se frappaient avec des coups de chaise en pleine tête. Bon, bah, c'est, maintenant, Dolph Ziggler arrête pas de me contrer, donc ça a un peu m'énerver. Je trouve ça qu'ils ont enlevé ce système de coups de chaise dans la gueule. Maintenant, ils font un coup de chaise dans les côtes, puis après des coups de chaise dans le dos. C'est pour éviter les blessures et les commotions cérébrales. Parce qu'il faut dire que quand un catcheur rentre sur le ring, il met donc sa vie en danger, donc son état de santé en danger. Et Dolph Ziggler est le spécialiste dans ça. C'est que à chaque fois qu'il rentre sur le ring, il a peur d'avoir une commotion cérébrale. Parce qu'on se rappelle au fameux match, ladder match pour défendre son titre poids lourd à l'époque. Il n'a pas pu le défendre à Extreme Rules, je crois, si je me rappelle bien, parce qu'il avait reçu une commotion cérébrale suite au coup de pied de Jack Swagger. Quand Dolph Ziggler a voulu prendre l'échelle. Voilà, donc. Ensuite, le cas s'est scénarisé. Par exemple, à tel moment dans le match, tu vas faire ci. À tel moment, tu vas te laisser te faire démonter, etc. etc. C'est comme un scénario, hein. Vous voyez mes scénarios que je faisais. Eh ben, c'est exactement ça qu'ils sont en train de faire. Ils ont des feuilles de discours, pas de discours, mais ils ont des feuilles qui sont en fait tout le show. Par exemple, début de show, après il y a marqué, je sais pas, il y a le début du show, après il y a le telle entrée qui va arriver, patati patata, liste des blessés, liste des superstars présentes sur le ring, présentes dans les backstage, et tout, etc., etc. Donc, de ce point de vue, c'est scénarisé. Après, c'est du cinéma, donc c'est du trucage, donc c'est du sport faux. Comparé à UFC, c'est faux. C'est complet, c'est vrai. UFC, c'est... Bon, Batista, c'est quand que tu vas te relever, mon gars, merci. UFC, c'est du vrai combat, ils se mettent à 100 et tout. Comparé au catch, hein, je parle, évidemment. Je t'ai pas dit de monter là, Batista. Bon, c'est bien, tu l'as touché. Et quand même. Bon. Voilà. Donc, vous avez mon point de vue sur le catch. Je trouve le catch faux. À une époque, je trouvais ça que c'était pas truqué. Après, j'ai appris que c'était truqué. Mais vu ton commentaire, en fait, tu m'as dit dans ton commentaire que c'est... Non, le catch, c'est pas faux et pas scénarisé. Donc, tu dois être un nouveau. Tu dois être nouveau qui doit regarder le catch. On est tous passés par là, mon gars. On est tous passés par là. Au début, on a tous cru que le catch c'était du... Bon, au début, on a tous cru que le catch c'était du vrai combat. Après, on a ouvert les yeux. On a vu que c'était du faux. Mais on est tous passés par là, mon gars. T'en fais pas, hein. Quand même. Tu parles à un connaisseur de catch. Après 6 ans
de, à dire, d'expérience dans le catch, si on veut. Ah d'accord. Ah merde, bon, j'ai pris que Batista. Bon bah c'est pas grave, comme ça, ça va me permettre de vous parler et en toute tranquillité sans me préoccuper du match. Malheureusement, le match risque d'être long. Ah non, j'ai rien dit, je me prendrai Jordan. J'ai rien dit. Est-ce que là j'incarne vraiment Randy Orton? D'accord, j'incarne que Triple H. Ok. Bon, d'accord. Bon, moi ça va pouvoir me permettre de vous parler un peu. Par contre, ton match, ça risque vraiment d'être long ton match. Là je suis en train de bafouiller un peu, je suis en train de me perdre dans mes propres mots. Alors le catch c'est du spectacle, parce que j'appelle pas même pas ça que c'est du faux ou que c'est du cinéma, j'appelle ça du spectacle. Parce que j'ai un énorme respect pour les catcheurs, le travail qu'ils font, parce qu'il faut se dire qu'ils passent devant l'écran, ils se fight et tout, mais derrière il y a quand même pas mal de. Il y a quand même un gros combat derrière. Ils ont une grosse préparation physique, morale, etc. Donc faut pas négliger. Faut pas négliger. Ils sont plutôt bons les catcheurs, hein. Parce qu'ils doivent passer par la NXT et tout le truc, hein. Donc Randy Orton est en train de prendre sa sauce. Donc après, c'est mon point de vue. Chacun a son point de vue. Par exemple, les nouveaux qui viennent commencer de suivre le catch, ils vont te dire que le catch n'est pas truqué, que c'est un vrai sport. Après, ceux qui regardent le catch depuis pas mal d'années vont te dire que c'est du spectacle et que c'est tout est scénarisé. Que aussi quand quelqu'un te parle d'un punch, par exemple, le punch de John Cena, c'est un punch scénarisé. Faut là, vous voyez, quand John Cena a été punché pour être champion WWE et pour représenter un peu la fédération, il représentait la fédération, donc il a eu pas mal de sous-sous. Voilà, comme ça, on a un peu niqué Dolph Ziggler au passage. Non, Batista. Voilà, merci Batista. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Je pense pas faire le match en entier, parce qu'il va être vraiment trop long, les gars. Je suis désolé, il va vraiment être trop long, donc... Là, je vais juste regarder à combien de minutes je suis de vidéo, et si j'ai encore quelque chose à dire sur ta question... je continuerai la vidéo, évidemment. Sinon, je l'arrêterai. Donc, on est à 13 minutes. On peut encore un peu continuer. Désolé, je ferai pas le match en entier. Franchement, je suis vraiment désolé. Voilà. Donc, les amis, nous allons essayer de parler un peu plus de ce genre de d'événement qu'est la WWE. Randy Orton a été disqualifié. D'accord. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas vu. Vous savez, je pense que c'est en avril. En avril. Non, c'est pas en avril. Je suis recours. En avril, il y a WrestleMania. Ouais, je crois que c'est en avril. Où il y a le fameux à Toulouse. Il y a un truc à Toulouse, WWE machin truc. Il y a un truc à Toulouse. Ah d'accord, ok. C'est quoi ça? Je prends toujours le mec à l'extérieur ou quoi? Merde. Fait chier ça. Ça fait vraiment chier. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
C'est bien, Batista. Vas-y, Batista bon, mon gars. Non. Putain, t'es trop con, t'es trop nul, t'es trop bide. La WWE donc se réunit en avril à Toulouse pour faire le fameux show en France, voilà. Au deuxième show de l'année, non, dans le premier show de l'année. Et je sais pas si j'irai. J'aimerais y aller, ça c'est sûr. Personnellement, ça serait mon premier show que je verrais de mes propres yeux. Ça serait vraiment cool que j'y aille. Malheureusement, je pense pas pouvoir y aller. Tout simplement parce que je pense pas avoir le temps. Et étant donné que je passe le bac en plus en fin d'année, donc ça me punit un peu, voilà. Attendez, j'ai le bac en fin d'année. C'est un peu la merde pour y aller. Ouais, je vous parle un peu de tout et de rien au passage. Donc on va essayer de revenir à ce sujet parce que c'est assez dur de dire que le catch est scénarisé étant donné que je suis un grand fan. Mais il faut dire les choses en face. Et il faut dire les vraies choses, c'est scénarisé et c'est faux. Tu peux demander à un connaisseur, c'est du trucage, mais d'un autre côté aussi, ils s'entraînent pas mal de temps, ils font leur préparation cardio, physique et tout. Donc c'est un gros boulot qu'ils font aussi derrière, et c'est pour ça que je les respecte, ces grands noms, parce qu'en plus, ils se créent un grand nom. Et faut dire que quand t'es aussi catcheur, étant donné que tu fais du spectacle et donc tu fais du cinéma, ensuite tu as une plus grande facilité à aller en tant que star. Par contre le ciblage automatique, merci beaucoup hein. Ah merci le ciblage automatique hein. Ah vous avez pu voir le ciblage automatique hein. Il est à chier. Regarde-moi ce ciblage automatique de merde. Referee. Allez, Batista, sors. Bon. Oh, regarde-moi ce ciblage de merde. Voilà. On va aussi un peu attaquer Daniel Bryan, hein, au passage. Ah, essayez d'un peu de jouer, hein, de faire le match. Hein. Voilà, donc tout ce que j'ai dit, j'espère que tu l'as entendu. Après, chaque personne a son propre point de vue. C'est pas parce que c'est moi qui le dis que c'est qu'il faut que tu le penses. J'ai mon point de vue. Tu as sûrement toi aussi ton point de vue, donc voilà, chaque personne a son propre point de vue. Faudra après, si tu connais le catch depuis pas longtemps, renseigne-toi un peu sur ce qu'est vraiment le catch pour parce que là en fait tu m'as posé une question comme ça au calme hein, évidemment. Ah, j'ai aucun souci pour ta question. Mais peut-être que c'est un sujet que tu contrôles pas encore assez. Tandis peut-être que tu es fan de catch, mais très récemment. Bon, sinon, il va se bouffer mon Batista bombe. Voilà. Et... Boum.
Bon, mon gars, hein, mon petit Chupolet, il va falloir que tu te, te motives un peu. Hein. Bon là en fait j'ai plus rien à vous dire. En fait c'est un sujet en plus qui me tient un peu à cœur. Cette vidéo me tient à cœur. Parce que c'est quelque chose que j'ai pas mal défendu à une période. À une période j'ai clairement dit que non le cash il est pas truqué. C'est comme le foot et tout, mais voilà. J'étais vraiment con à l'époque en fait. Et j'ai aussi, j'étais vraiment têtu comme un con, hein. J'étais vraiment têtu, hein. J'admettais pas, en fait, que le catch était truqué. C'est hallucinant. Je l'admettais pas. Mais pas du tout, hein. J'admettais pas du tout que le catch était un sport truqué et tout. Voilà. Alors, dans mes amis, parce qu'à une époque, on était pas mal à suivre le catch. Vas-y. Dans mes amis, je pense, pas avec vous les abonnés, hein, parce que je parle avec pas mal d'abonnés sur, par exemple, sur PS4, genre, je parle avec beaucoup, d'abonnés, par Skype, je parle quelquefois. Toi, tu te calmes tout de suite, hein, Brian. Mais mes amis, avant YouTube, hein, parce que j'avais... YouTube, j'ai commencé il y a 3 ans. Non, il y a 2 ans, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi 3 ans? Il y a 2 ans, il y a presque 3 ans. Non, mais non, les 2 ans sont passés déjà. Je suis en train de me perdre dans mes années. Et à l'époque, je crois qu'on était à peu près 5 à suivre le catch. On parlait à chaque fois qu'il y avait un show qui se passait ou un truc qui nous plaisait pas. On était en mode réunion et tout. Et en fait, je crois que je suis le seul, je suis le dernier encore à suivre le catch à plein temps. Voilà. Je suis le seul. Les autres, ils ont dû abandonner, je pense. Tu peux être, tiens coup, hein. Bon, quoi. Bon. Tu peux être, fais-moi le tag, merde. Come on, tu peux être, come on. Allez! Ok, let's go. À moi de jouer, mon gars. À moi de jouer. Je vais avoir du mal. Ouf. Look at this. Dolph Ziggler doing some good work here. Look at Dolph Ziggler. The intensity. Now what a move. Ouf, oh, je suis dans la merde. Je suis dans la merde là, les gars. Je suis dans la grosse merde. Ouh. Ok, d'accord. Je sais pas ce qu'il a fait mon perso. Ouf. 3 contre 1. Ouais, bon, la Evolution ne gagnera pas ce soir. Ah, j'ai fait un peu le con, hein. Je sais pas comment ça s'est passé pour pas que j'incarne mes deux compagnons. Hop. Hop.
Allez, je vais t'étrangler un peu dans ton petit queen. Queen. Come on. Batista looking to ignite the fuse. Tac. Et le Batista. Boom, mon frère. Non. Lui là. En... Non, l'autre là, le con. Voilà, le petit blond. Ok, d'accord. Ah non, mais un 1v3, c'est tendu. C'est trop tendu. C'est trop tendu, un 1v3. Voilà, mon match handicap, je peux le faire, hein. Putain. Putain, le 1v3 de ouf. Et je ne vais pas pouvoir tenir. Hein. Je vais pas pouvoir tenir, je pense. Je sais même pas comment je fais pour réussir à me libérer. Allez, garçon. Ah oui, en plus, est tout proche de tes copains. Et tout proche de tes amis. Qui veut dire si tu me bloques pas, regarde-moi ça. Allez, Batista, t'es pas dans les vapes. Je ne sais pas comment je fais pour te contrer, mon gars. Là, combien? 26 minutes. Bon, on va cesser de prendre son finisher. Parce que là, il faut que j'arrête la vidéo. Si je regarde la vidéo, dure 3000 ans. Voilà, si j'arrivais à me dégager, j'étais fort. Hein. Voilà, comme ça, Daniel Bryan serait content, il aura gagné son match. En tout cas, j'espère que cette vidéo, en parlant, est-ce que le catch est faux ou est scénarisé, en répondant à ton commentaire, Amir, j'espère que tu regarderas cette vidéo, parce que si tu me poses cette question... Et qu'après tu regardes pas la vidéo, ça serait un peu con. J'espère avoir dit à m'être dit à m'être un peu plus expliqué que dans le résumé Survivor Series, parce qu'en plus j'avais dit dans le résumé Survivor Series que oui, parce que ces derniers temps, avant Survivor Series et donc Hell in a Cell, on savait déjà un peu quel était le pay-per-view, quel résultat est-ce qu'on voyait. Parce qu'à l'époque, en 2008, en 2009, on savait pas du tout, parce que c'était moins scénarisé que maintenant. Ah oui, parce que j'aurais pas pu vous en parler. Donc c'était moins scénarisé qu'avant, alors que là, c'est beaucoup, beaucoup plus scénarisé. Parce qu'à une époque, c'était moins scénarisé, on savait pas qui allait gagner, alors que là, maintenant... vu les plans qu'il y a, la WWE et tout ça, donc on sait un peu, voilà. Mais sinon, le catch, c'est du spectacle pour moi. En tout cas, j'espère que mon avis vous dira pas, j'espère que vous me direz pas, que vous parlerez avec moi, que vous me direz, t'es une grosse merde, tu connais rien au catch, comme si je le suis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez un j'aime, un commentaire, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, pour en savoir la bave un peu trop pâteuse, j'essaie d'aller voir juste après. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss les gens, bye bye, à la prochaine. Peace. Ça out.